Dessin à l'encre sur papier de Will Eisner, datant de 1974, issu des aventures du Spirit. L'œil est attiré par la masse sombre en haut de l'image. Deux verticales bordent celle-ci, permettant de couper l'illustration en trois parties. Une seconde ligne horizontale permet de créer un rectangle dans lequel prend place notre héros. En focalisant d'emblée notre regard sur cette partie de l'image, Will Eisner nous présente le personnage qui a le plus d'importance dans l'histoire. Les yeux du héros donnent la direction à suivre. Notre regard se porte sur le premier tiers de l'image à gauche. Voici la nuit, c'est par son point de vue qu'est narrée l'histoire. L'état des gants et l'arme sont les éléments permettant de conclure au côté maléfique du protagoniste. La direction du pistolet répond ainsi aux yeux du héros. L'auteur met en scène une composition de la lutte classique du bien contre le mal, où l'on trouve le bien en mauvaise posture. Will Eisner place volontairement au centre de la composition une main désarmée. Le premier plan est l'intérieur du bâtiment. Le méchant est à l'abri et va sortir pour tirer. Vient ensuite le parvis du bâtiment, surélevé du reste du quartier, placé au troisième plan, isolant ainsi la scène et appuie sur le fait que le héros est seul pour combattre son ennemi. Il est à découvert, le sentiment de danger se fait sentir. Des papiers volent, créant le mouvement, s'opposant ainsi à la stabilité du bâtiment. Le bâtiment est grand, solide et stable. Il est associé au côté maléfique. Le méchant le tient dans ses mains. C'est un élément protecteur. Le bon, lui, est dehors, dans l'instabilité du vent, à découvert. Il est vulnérable, sans protection. Il peut facilement se faire tirer dessus. Les vêtements du héros sont abîmés, ce qui montre qu'il a déjà eu des épreuves à surmonter plus tôt. C'est la fin du périple. Des impacts de balles et du sang sont visibles, traces d'affrontements précédents. De nombreuses cigarettes sont sur le sol, ce qui laisse à penser que le criminel a attendu son ennemi, ce qui fait de la scène un piège. À droite de l'image, l'affiche est un avis de recherche. Nous pouvons y voir le début d'un nom. Par déduction, c'est Octopus, l'ennemi héréditaire du Spirit. Au centre de l'image, un panneau de signalisation stop. De par sa forme, il rappelle un phylactère. Est-ce pour annoncer la fin du Spirit ?